si elle est masse. Ils veulent nous empêcher d'ouvrir des livres, de nous nourrir de ces lignes qui instruisent. Ils veulent nous voir mourir des piles. Un homme instruit résiste, s'ouvre et se nourrit l'esprit, identifie l'ennemi car il a compris. Ils veulent nous endormir car les voleurs agissent toujours dans la nuit. Prenons conscience que c'est l'ignorance qui nous nuit. Instruisons nos mots pour qu'ils sachent et jamais n'oublient. La connaissance est synonyme de vie. La devise, c'est 11 et 4 verset 6. Discerner le bien du mal est utile dans ce monde plein de vices. Le cul entre deux chaises, entre maman et Iblis. Contraint par ceux qui nous dirigent pour honorer leurs caprices. C'est pour cela qu'ils nous divisent, nous divertissent. Car la connaissance et l'unité leur hantise. Un peuple qui réfléchit est un peuple qui se mobilise. Donc on les abrutit pour qu'ils s'immobilisent. Veulent faire passer l'intelligence pour une faiblesse. Et la connerie progresse, on glorifie le nul. Quand le bon est mis de côté à toute vitesse. Presque stigmatisé, moqué, pointé du doigt. On voit un culte à l'inculte, le respect se fait souiller plus d'une fois. Pour éviter que le peuple pense trop que des têtes se lèvent sort du troupeau. On le rencontre, je m'en rends compte, quand je rencontre, c'est faux. Abruti à la télé, réalité, drogué, aux vidéos à succès. Où la violence est banalisée, snapchatisée. Confusion d'émissions débilisantes et infantilisantes. Validées par le CSA, la garde est abolorée. Leur but est simple, mettre l'intellect sous léthargie. C'est leur stratégie, le lavage de cerveau agit, hémorragie. Créant un modèle avilissant, débilisant, stigmatisant, banalisant les clichés nous ridiculisant. Le niveau ne fait que reculer, les pires idées sont véhiculées. Ton libre arbitre s'est fait enculer. Ils ne veulent pas que l'on s'élève intellectuellement. Ils préfèrent nous voir bader, se bagarrer bêtement. Se perdre laidement, s'abrutir vainement. Se blottir dans la connerie, subir le même traitement. Ils ne veulent pas que l'on s'élève intellectuellement. Ils préfèrent nous voir régresser jusqu'à se perdre laidement. Nous noyer dans la connerie, le niveau baisse clairement. Leur but c'est abrutir les marges jusqu'à ce qu'un jour l'honneur s'efface. Ils abrutissent les petits, les formes pour être cons. Si le savoir est une arme, c'est une protection. Contre la stupidité, la force de dire non. La connaissance, l'apprentissage, un chemin très long. Ils nous bourrent le crâne, castrent nos cultures. Nous poussent à consommer vite, brident la littérature. La réussite, c'est une question de buzz. Le débilisme social est rentré dans les mœurs. T'es addict au partage, t'es dépendant du divertissement. Tu passes à l'asservissement, à l'affût des follow. Faut que tu suives le flow, faut taguer puis poster l'info. Sans smartphone, t'es en manque comme une info. Hey, sans réseau, t'es zéro, c'est triste mais vrai. Les textos ont baisé, l'orthographe et sa grammaire. Ils abrutissent pour foutre toute idée de révolte en l'air. Ayant bas les masques, c'est chercher à retirer les masses. Souvent les petites classes, aider les petites classes, remplir les peuples tasses. Trop de types pour accéder des prototypes. Au virtuel connecté comme la domotique. Par les médias programmés comme la robotique. Ils ont fait de nous des pions comme dans la Rome antique. Une fatalité non, décolle les yeux de ton écran. Les gosses de guette sont pas tablettes, ils nous prennent pour des cons. Ils ne veulent pas que l'on s'élève intellectuellement. Ils préfèrent nous voir bader, se bagarrer bêtement. Se perdre laidement, s'abrutir vainement. Se blottir dans la connerie, subir le même traitement. Ils ne veulent pas que l'on s'élève intellectuellement. Ils préfèrent nous voir régresser jusqu'à se perdre laidement. Nous noyer dans la connerie, le niveau baisse clairement. Leur but c'est abrutir les marges jusqu'à ce qu'un jour l'honneur s'efface. T'es pourvu de diplôme, ça fait pas de moi un imbécile. Mes facultés te l'attestent, j'évite le mode facile, paraît-il. Que la bêtise sous le troisième millénaire prospère. Inverser le processus, pas de mince affaire. Quand même, mon point de vue sera entendu. Peu importe le nombre, mais ceux que j'aurai convaincu. La démarche entreprise avec maturité. Même si déjà je sais qu'elle sera étouffée. Pour le non-sens, la décence, niaiserie à outrance. En première ligne, la jeunesse, hélas de bons clients. De vraies éponges, que beaucoup finissent par l'admettre. La connaissance est futile, alors qu'elle aille se faire mettre pour l'élite. C'est jackpot, mais pour moi c'est rageant. Comprends-tu pourquoi je suis à contre-courant? Assez asservi au dévot pâte de mon QI. Face à l'abrutissement, cherchez pas, j'agis. Je ne peux pas croire ce qu'ils me disent, ni ce qu'ils médisent. Ceux qui prédisent des jours meilleurs, donc ceux qui déguisent la réalité, alors que le monde n'est que dérivé, n'est bêtise. Corruption et traîtrise, plus de contrôle, peu de maîtrise. Pulsion exacerbée, l'homme rêve d'emprise. Sur son prochain, le méprise. Y'a bien longtemps que la conscience collective s'est effacée au profit du business.
nos existences dirigées par de grandes entreprises, continuellement payant les frais de leur exploitation massive. Et pour des devises, on s'entretue tous, on détruit tout ce qu'on a afin de préserver cet bâtiment qu'est le capitalisme. La loi du plus fort, son leitmotiv, qui me parle de progrès et d'égalité, alors qu'une majorité de terriens vit dans la nécessité, le seuil de pauvreté. C'est même ce dos défenseur des droits et libertés que donnent leurs intérêts, abrutissent les masses pour mieux les endormir. Ils ne veulent pas que l'on s'élève intellectuellement. Ils préfèrent nous voir bader, se bagarrer bêtement, se perdre laidement, s'abrutir vainement, se blottir dans la connerie, subir le même traitement. Ils ne veulent pas que l'on s'élève intellectuellement. Ils préfèrent nous voir régresser jusqu'à se perdre laidement. Nous noyer dans la connerie, le niveau baisse clairement. Leur but c'est abrutir les marges jusqu'à ce qu'un jour l'honneur s'efface. Leur but c'est abrutir les marges jusqu'à ce qu'un jour l'honneur s'efface.